Le Vietnam est composé de plusieurs groupes ethniques répartis sur tout le territoire. Venus de Chine il y a seulement 2 siècles, les Hmongs se sont installés dans les montagnes au nord du pays. Derrière une apparence parfois sévère, les Hmongs cachent des personnalités libres et attachantes. Là, au milieu d'une végétation luxuriante, leur vie traditionnelle s'égrène au rythme des saisons. Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est bordé par la Chine, le Laos et le Cambodge. Toa habite avec sa famille. 17 personnes sous le même toit. Frères et sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines occupent les 3 pièces de la maison. Tous vivent grâce aux produits de la ferme et de la nature alentour. La vente de prunes et de pêches rapporte un peu d'argent. Aux produits du verger et du potager s'ajoutent les gains de la rizière. Le printemps n'est pas la saison du cheval. La terre humide est trop glissante pour ses sabots. Pour lui, c'est la saison du repos. Ce sont les buffles qui travailleront. Dès l'arrivée des premières pluies de mousson, il faut toute la force des buffles pour tirer la herse, niveler la rizière inondée et labourer les terrasses avant le repiquage du riz. Les Hmongs sont concentrés sur le travail de leur terre nourricière. En mai, on repique le riz à la main, brin par brin, dans l'espérance d'une belle récolte en septembre. Pour ces peuples des montagnes du Nord-Vietnam, le marché est l'occasion de se retrouver. Le samedi, des Hmongs de tous âges descendent les collines et plongent vers les étals. Depuis l'ouverture des frontières, les marchés Hmongs vendent des produits chinois. Mais beaucoup de femmes restent attachées aux broderies en chanvre du pays, colorées d'indigo et de teinture végétale. Les fabricants de licol côtoient les vendeurs de pipes à eau et de tabac. Un peu à l'écart, œuvrent les artisans du sacré, les créateurs inspirés de petits chevaux en papier qui se consumeront lors de cérémonies sacrificielles. Les éleveurs espèrent aussi trouver preneur pour leurs buffles et leurs chevaux. Toa cherche un cheval qui soit un peu plus grand que son petit cheval noir. Un cheval robuste pour porter les charges, mais rapide et surtout qu'il pourrait monter et même mener au galop. Rarement croisés, les petits chevaux Hmongs ont une étonnante vitalité. Ils formeraient même la première réserve au monde de chevaux domestiqués jamais touchés par les vaccins et les soins vétérinaires modernes. Le cheval roux plaît à Toa. Il est grand et il a du sang. $6 millions, 240 euros. Ce sont des mois d'économie soumis à la sagacité de l'expert en fausse monnaie. Habituellement, les paysans ne grimpent sur le dos des animaux que pour les conduire au pâturage ou les ramener à la ferme. Mais Tao est trop heureux de son acquisition. Les animaux accompagnent la vie quotidienne des Hmongs. Mais on ne leur donne aucun nom. Ici, tous les animaux sont soignés et nourris avec scrupule, car leur bonne santé est un bon signe pour la famille. Mais pas d'affection excessive pour l'animal.
tout le temps, là. Dans ces montagnes vit aussi l'ethnie des Foulas. À une demi-heure de Chetoa, une famille d'artisans Foulas s'est spécialisée dans le travail d'un bois précieux, imputrescible et souple, qui sert à faire sur mesure les selles de chevaux battés. Ce nouvel harnachement conviendra parfaitement au jeune cheval qui pourra désormais faire lui aussi sa part de travail. Les Foulas possèdent moins de terre que les Mongs, et chaque jour, ils doivent faire de longues allées et venues dans la montagne avec leurs troupeaux. Une responsabilité pastorale partagée entre femmes et enfants, entre devoirs de surveillance et jeux insouciants. La saison est venue de moissonner le riz de montagne. Dès que les rayons du soleil percent les brumes d'altitude, on en profite pour faucher. Familles et voisins s'entraident pour battre, vanner, sécher, transporter et engranger la récolte avant les pluies fraîches et l'arrivée de l'hiver. Bien qu'ils aident leurs parents aux travaux des champs, les jeunes Mongs vont aussi à l'école. Le collège est à une heure de sentier, si l'on ne s'attarde pas trop avec les copains. Pour les plus petits, l'école est à 20 minutes, en courant bien. Dans l'école populaire, les ethnies sont mélangées. Dès le plus jeune âge, on apprend à vivre ensemble. Une école sérieuse et joyeuse, et des repas à la cantine cuisinés et servis par les institutrices. L'arrivée de la route dans le village, c'est la mort du sentier. L'anéantissement du petit pont qui menait à l'école et à la maison. C'est aussi un avenir ouvert aux moteurs et la disparition annoncée des petits chevaux Mongs. Les travaux perturbent les cours d'eau. Toa vit en aval de la route en construction. Et là-bas, au fond de la vallée, les barrages de terre risquent de céder et les conduites forcées pourraient s'ensabler. Pour le moment, l'eau arrive avec force pour faire tourner la petite turbine qui alimente en électricité l'ampoule et la prise de courant de sa maison. Mais les jours de ce poteau dérisoire sont comptés. Derrière la montagne, la longue marche de l'électricité a commencé. Comme la Chine toute proche, le Vietnam moderne a un vaste programme de barrages. La rétention systématique des eaux des montagnes favorisera l'électrification du pays et l'irrigation des plaines. L'équilibre du mode de vie traditionnel ne tient plus ici qu'à un fil. La vie du peuple Mong se poursuit au rythme des saisons. La récolte du soja. Une fois ramassées, les balles de soja sont fixées avec des liens en fibres végétales.
les chevaux ne peuvent atteindre ces terrasses inaccessibles. Alors c'est à dos de femme que ces lourdes charges remontent les pentes abruptes. Bien avant le riz, le maïs est à la base de la survie alimentaire des Hmong. Si les bons grains jaunes et les feuilles régalent les animaux, ils servent surtout à fabriquer les galettes de farine qui accompagnent les repas. Pendant que les femmes amènent le maïs au moulin communautaire, Toa s'approche de la lisière de la forêt pour une récolte de plantes médicinales. Une cueillette odorante d'herbes, de racines, de feuilles et de fleurs dont Toa connaît les secrets. Une fois découpé et mélangé à des herbes aromatiques, ce tubercule stoppe les maux de ventre et arrête les saignements. Bien que difficile, la vie du peuple Hmong au cœur des montagnes du Nord-Vietnam semble empreinte d'une certaine douceur. En serait-il de même pour l'amour ? La tradition veut que les fiancés dialoguent en échangeant de mystérieuses mélopées, des onomatopées aux inflexions secrètes, des chants à la feuille qui sont autant de poèmes. Des déclarations intimes jetées au vent des montagnes Hmong vers le cœur de l'aimé.